À propos de l'analyse combinatoire avec répétition, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui apparaissent plusieurs fois. Commençons par une belle tâche introductive. En novembre 2010, furent introduites en Belgique de nouvelles plaques d'immatriculation conformes aux normes européennes. Elles sont constituées d'un chiffre de 1 à 7, ici c'est le 1, suivi de 3 lettres, et L suivi de 3 chiffres. Les normes européennes correspondent à ces mesures-là. Et la question qui se pose, c'est combien de plaques d'immatriculation différentes la Belgique a-t-elle ainsi prévues? Il y en a-t-il assez? En 2010, on pouvait aussi demander une plaque d'immatriculation particulière, qui commençait alors par un 9. Entre-temps, on peut commander une plaque d'immatriculation quelconque, comme exemple Astérix ou Murphy. À la Calamine, il y a un homme qu'on surnomme Murphy et dont la plaque d'immatriculation est Murphy. À Eupen, il y a un monsieur dont la plaque d'immatriculation c'est Astérix. Et de façon amusante, ce monsieur ressemble très fort à Astérix. De telles plaques d'immatriculation doivent vérifier deux conditions. Premièrement, elles ne peuvent pas être blessantes et deuxièmement, elles ne peuvent pas être réservées pour une autre voiture. Ces plaques d'immatriculation coûtent 1000 euros. Une plaque d'immatriculation habituelle coûte 30 euros. D'ailleurs, ces plaques d'immatriculation commençant par un 9 coûtaient aussi déjà 1000 euros. Commençons par les permutations à répétition, et ce au moyen de cet exemple. Combien de mots, avec ou sans sens, peut-on former avec les lettres Kelmis, Eupen et Numerosnet? D'abord pour Kelmis. Kelmis, ce sont en fait 6 lettres, toutes différentes. Donc ici, il n'y a pas de répétition. Par conséquent, le nombre de permutations possibles, c'est la factorielle de 6, c'est-à-dire 720. Regardons maintenant pour Eupen. Ici, nous avons 5 lettres, mais elles ne sont pas toutes différentes parce que le E apparaît 2 fois. Si c'était 2 E différents, imaginons E1, E2, alors le nombre de permutations possibles serait égal à la factorielle de 5. Mais le E là et là, c'est la même lettre. Si c'était des lettres différentes, pour ces deux places-là, ça ferait factorielle de 2 possibilités. Mais comme les lettres sont identiques, il faut donc diviser la factorielle de 5 par la factorielle de 2. Donc le nombre de possibilités de permuter ces 5 lettres-là est de factorielle de 5 divisé par la factorielle de 2, c'est-à-dire 120 sur 2, c'est 60. Regardons maintenant pour Numerosnet. Nous constatons qu'il y a en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lettres. Mais elles ne sont pas toutes différentes. Le N apparaît 2 fois. Si c'était 2 N différents comme N1 et N2, alors ces 2 places pour N donneraient factoriel de 2 possibilités. Mais comme les 2 N sont identiques, il faut diviser la factorielle de 11 par cette factorielle de 2. Nous voyons que le E apparaît 3 fois. Si c'était 3 lettres différentes comme E1, E2, E3, alors ces 3 places-là donneraient factoriel de 3 possibilités. Mais comme ces 3 E sont identiques, il faut donc diviser par la factorielle de 3. Donc au total, nous avons autant de permutations à répétition possibles. C'est la factorielle de 11, parce qu'au total il y a 11 lettres, qu'il faut diviser par la factorielle de 2
Et puis il faut encore diviser par la factorielle de 3 parce que le E apparaît 3 fois. Passons maintenant à la définition générale. Une permutation à répétition de n éléments dans lesquels l'un se répète n une fois, un autre n deux fois, etc. C'est une suite ordonnée de ces n éléments. Bien sûr que ces nombres n, n1, n2, etc. sont des nombres naturels. Pour calculer le nombre de permutations à répétition, on calcule donc la factorielle de n divisée par la factorielle de n1, parce qu'un élément apparaît n une fois. Il faut encore diviser par la factorielle de n2, parce qu'un autre élément apparaît n deux fois, etc. Voyons un autre exemple qui va nous servir plus tard. Combien de permutations différentes existe-t-il pour ces objets-là? En fait, nous avons 8 points bleus, ce sont des gros points, et 7 bâtonnets. Pour calculer le nombre de permutations, nous devons donc calculer la factorielle de 15, parce qu'en tout, il y a 15 éléments, qu'il faut diviser par la factorielle de 8, parce que cet élément, big point bleu, se répète 8 fois, et il faut encore diviser par la factorielle de 7, parce que ce bâtonnet apparaît 7 fois. Le nombre de permutations possibles, c'est donc 6435. Poursuivons avec les arrangements à répétition. Par exemple, il y a très longtemps, j'ai trouvé cette serrure dans la rue. Je l'ai ramassée, je l'ai ramenée chez moi et je l'ai nettoyée de l'extérieur. Il s'agit en fait d'une serrure constituée de 4 petits trous, toutes les 4 numérotées de 1 jusqu'à 6. Et là, on voit un petit marquage. Cette serrure, je l'ai gardée et je la tiens justement en main. On voit ici le petit marquage et c'est ainsi qu'on reconnaît que la serrure est mise sur 1, 1, 1, 1. On appelle ça une serrure à combinaison, alors que ça devrait s'appeler une serrure à arrangement avec répétition. Mais enfin, ça s'appelle une serrure à combinaison. Pour l'ouvrir, je vais faire comme pour le comptage de kilomètres dans une voiture. Je commence avec la roue de droite, elle est mise sur 1, je la mets maintenant sur 2 et je tire. Ça ne s'ouvre pas. Je la mets sur 3, je tire. Sur 4, je tire. Sur 5, je tire. Sur 6, je tire. Ça ne s'ouvre toujours pas. Alors, je vais maintenant tourner les deux premières roues en même temps. Ainsi, la première roue, elle est de nouveau mise sur 1, mais cette fois-ci, la deuxième, elle est mise sur 2. Je continue à tourner la première roue. Ça ne s'ouvre pas, ça ne s'ouvre pas, ça ne s'ouvre pas, etc. Ainsi, je vais tourner toutes les roues jusqu'à ce que j'ai épuisé toutes les possibilités. En fait, pour la première roue, il y a 6 possibilités. Pour la deuxième aussi. Donc pour les deux premières ensemble, il y a 6 fois 6 possibilités. Et la troisième roue, mais elle a aussi 6 possibilités. Et la quatrième aussi. Donc au total, pour les 4 roues, il y a 6 fois 6 fois 6 fois 6 possibilités. Donc il y a 6 exposant 4 possibilités, c'est-à-dire 1296. Je vais déjà afficher ce résultat. Voilà, le nombre d'arrangements des 6 éléments pris 4 à 4 se calcule par 6 exposant 4, c'est-à-dire 1296. Il y a donc ici 1296 possibilités. Et en tournant, j'avais un peu de malchance parce que le bon numéro de la dernière roue, c'est le plus grand possible, c'est-à-dire 6. Je vais un peu mettre
la serrure sur le résultat que j'avais trouvé. Voilà. Ça devrait être le bon arrangement. C'est 6, 2, 3, 1. Et grâce à cette possibilité-là, j'ai pu ouvrir la serrure. Passons maintenant à la définition générale. Un arrangement à répétition de P éléments hors de N éléments, bien sûr N et P sont des nombres naturels, est une suite ordonnée de P éléments hors des N éléments donnés. Pour calculer leur nombre, il suffit donc de calculer N exposant P. Ici, j'ai choisi la lettre V, V comme en allemand, Variation mit Wiederholung. Par exemple, nos plaques d'immatriculation. Pour ce chiffre-là, il y a 7 possibilités. Pour ces 3 lettres-là, en fait, des lettres peuvent se répéter, donc il y a 26 exposant 3 possibilités. 26 parce que notre alphabet contient 26 lettres, exposant 3 parce qu'il y a 3 places. Fois, le nombre de chiffres possibles ici, mais il y a 3 chiffres qui peuvent éventuellement se répéter, donc il y a 10 exposant 3 possibilités. En tout, le nombre de possibilités pour les plaques d'immatriculation en Belgique, c'est donc 7 pour le chiffre, fois V26-3 pour les 3 lettres, fois V10-3 pour les 3 chiffres. Donc ça donne 7 fois 26 exposant 3 fois 10 exposant 3, c'est-à-dire ce nombre monstrueux-là, c'est-à-dire 123 302 000. Poursuivons notre étude d'analyse combinatoire avec répétition avec les combinaisons à répétition. Par exemple, nous avons ici 9D. Je vais maintenant lancer ces 9D. Je les mélange bien. Voilà, je lance. Et maintenant, je vais regarder combien de fois le 1 apparaît, combien de fois le 2 apparaît, etc. jusqu'au 6. Regardons ça. Je vois que le 1 apparaît une fois, le 2 apparaît deux fois, voilà, le 3 une fois, le 4 deux fois, le 5 également deux fois, et le 6 une fois. Retenons ce résultat. Donc encore une fois, le 1 une fois, le 2 deux fois, le 3 une fois, le 4 deux fois, le 5 deux fois et le 6 une fois. Nous allons analyser ça de plus près. Nous allons procéder comme suit. En fait, nous avons 6 possibilités, possibilités que nous allons séparer par des bâtonnets. Puisqu'il y a 6 possibilités, c'est qu'il y a 6 moins 1 bâtonnets de séparation. En fait, nous avons lancé 9D, représentés ici par des points. Maintenant, je regarde le résultat que nous avions obtenu. Nous avions eu une fois le 1, donc je vais mettre un point là. Le 2, nous l'avons eu deux fois. Je vais mettre deux points là pour le 2. Le 3, on l'a eu une fois. Voilà. Le 4, deux fois. Comme ceci. Le 5 aussi deux fois. Comme ça. Et le 6 alors une fois. Voilà. Ça, c'est le résultat que nous avons obtenu. Nous aurions pu obtenir ce résultat-là. Donc, une combinaison à répétition de 6 éléments pris 9 à 9 peut être considéré comme une permutation à répétition de 14 éléments dont l'un se répète 5 fois et l'autre 9 fois. Donc pour calculer
Le nombre de combinaisons à répétition de 6 éléments pris 9 à 9, il suffit de calculer le nombre de permutations de 6 moins 1 plus 9 éléments, dont l'un se répète 6 moins une fois et l'autre 9 fois. Ça donne donc P14,5,9, c'est-à-dire la factorielle de 14 divisée par la factorielle de 5, encore divisée par la factorielle de 9, possibilité. Passons maintenant à la définition générale. Une combinaison à répétition de P éléments hors de N éléments, où de nouveau N et P sont bien sûr des nombres naturels, est une suite de P éléments hors des N éléments donnés. Ici, l'ordre n'a pas d'importance. Pour calculer le nombre de telles combinaisons à répétition, on considère ces combinaisons comme des permutations à répétition, et finalement, ça donne donc la factorielle de n-1 plus p divisée par la factorielle de n-1 et encore divisée par la factorielle de p. Et si on regarde cette formule de plus près, on constate qu'elle peut aussi être calculée comme combinaison sans répétition de n-1 plus p, p à p, ou encore combinaison de n-1 plus p pris n-1 à n-1. Voici un deuxième exemple. Voici les trois singes de la sagesse d'Inde. Ne rien entendre, ne rien voir et ne rien dire. À ces trois singes, nous allons maintenant donner 10 bananes. Et la question qui se pose, c'est de combien de façons différentes peut-on distribuer 10 bananes à 3 singes? Distribuons ces 10 bananes à nos 3 singes. Pour visualiser ça, nous allons séparer les 3 singes par des bâtonnets et nous allons représenter les bananes par ces gros points. Voici une distribution possible. Elle serait correcte. Le premier singe reçoit 3 bananes, le deuxième 4 et le troisième 3 bananes. La distribution pourrait être plus incorrecte. Mettons les bâtonnets de séparation et représentons la distribution des bananes par ces gros points. Le premier singe reçoit 6 bananes, le deuxième 2 et le troisième aussi 2. La distribution pourrait être encore beaucoup plus incorrecte comme ceci. Les deux premiers ne reçoivent aucune banane et le troisième reçoit toutes les bananes. On voit bien qu'on peut considérer cette combinaison à répétition des trois singes pris 10 à 10, parce qu'il y a 10 bananes, comme permutation à répétition de ces 12 éléments dont l'un se répète 2 fois et l'autre 10 fois. C'est-à-dire le nombre de combinaisons à calculer, c'est le nombre de telles permutations à répétition, c'est-à-dire la factorielle de 12 divisée par la factorielle de 2, encore divisée par la factorielle de 10. Et ce calcul donne 66 possibilités.